Bonjour à tous. J'ai préparé deux bandes. Hein. Hop là, elles sont là, deux bandes. Alors tu les mouilles pas, hein, ça sert à rien hein, de les humidifier. Hein. Tu les laisses secs comme ça. Hein. Sur la bande, tu vois, tu as une petite nervure hein, quand tu plies. Et bien, ce côté-là, il faut qu'il soit collé au placo, hein, comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Alors quand tu colles des bandes, hein, essaye de te faire une pâte qui est assez consistante hein, pour éviter d'en foutre partout, hein, premièrement. Et alors, tu utilises un palet, ça doit faire 11-5-12 cm hein, de largeur. Hein. Tu penses bien à mettre, hop, ton plâtre au milieu de ta spatule. En fait, quand tu vas l'appliquer, ça va déborder à droite et à gauche. Hein, c'est pour éviter, quoi, si tu mets sur toute la longueur, tu vas en foutre partout. Alors, tu mets une lichette au milieu. Hein, alors, pour la mettre, hein, hop. Voilà, t'es comme ça, et là tu coupes. Voilà, tu vois. Pas plus compliqué. Tu appliques le plâtre. Au milieu du creux. Alors tu garnis bien le creux. Fente, hein. Tu n'hésites pas à avoir un peu la main lourde hein, pour bien remplir le creux. Tu prends ta bande. Alors là, je calcule la hauteur. Là. Je viens plaquer à plat ici. Voilà. Je mets à plat ici pour bien la mettre droite. Et je viens avec un angle, avec ma spatule, juste écraser ma bande. Alors tu mets tes doigts un peu au milieu. Pour faire un peu le système de voûte. Voilà. Tu essuies bien les bords. Voilà. Et voilà. Essuie bien les bords. Voilà, la bande elle est collée. Pas plus compliqué. Bon, on s'en fait une deuxième. Alors je recommence. Alors tu fais comme une banane. Hop là, tu mets bien la pâte au milieu et tu l'appliques. En pressant une petite pression au milieu, bien généreusement. Jusqu'en bas. Oh, t'as pas d'angle spécifique hein, quand tu la poses. Hein. Il faut que tu aies assez suffisamment la colle qu'elle remplisse l'intérieur du bord fendu. Avec ton angle, mets une pression sur ta bande hein, et tu finis en petit creux en bas. C'est fini en bas. Essuie dans les côtés. La bande est bien collée. Ah. Alors un truc important,
Une fois que tu as collé ta bande, tu attends bien le séchage de la bande. Remets pas la passe de remplissage sans attendre qu'elle soit bien sec. Car en fait, la bande, elle va absorber l'humidité et elle va tout cloquer. Voilà. Alors la bande, elle a bien séché, hein, impeccable. On va gratter un petit coup, hein, et on va remplir le bord fendu. Ça veut dire l'intérieur d'ici à là. Donc je gratte avant. Pour enlever les petits bouts de placo qui peuvent être en surplus. Alors toujours, hein, comme d'hab, hein, la petite noisette ou la grosse noisette de colle au milieu de la spatule, je le répète, hein, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer, ça va déborder sur les côtés. Si tu m'en mets partout, tu vas en foutre partout. Alors je viens, je me colle, je fais un angle à peu près de 45. Et j'écris bien les côtés. Je glisse ma spatule avec un angle de 45 de façon à bien remplir l'espace qui est au milieu. Je reprends ma spatule, je mets mon angle de 45 et je viens tirer mon enduit. Et ensuite, je viens essuyer les deux côtés pour ne pas mettre de surplus. Là, ça fait juste une petite pellicule. De toute façon, on voit un peu blanc. Ça va permettre, quand je vais mettre mon enduit de finition, de pouvoir faire le décrochement dégradé pour retirer un petit peu plus large, pour éviter l'effet de bosse. On se fait la deuxième ensemble. Donc je reprends mon départ correctement. Voilà. Je viens remplir l'intérieur de la bande en chargeant bien. Et je viens juste mettre un trou de vissage. Et je suis bien mes deux côtés. Voilà. Je remplis avec un angle, ça fait à peu près 45, hein, c'est pareil que le lissage, sauf que tu essuies, tu nettoies les côtés.
Voilà. La bande est remplie. Bah, le remplissage, il est fait. Hein. Pour faire la finition d'une bande droite sur bande droite. Hein. Alors, moi, je mets une noisette là, que j'étale sur le côté. Bien prononcé, voilà. Et là, je viens essuyer en mettant un petit appui sur l'angle de la spatule. Voilà. Si on voit bien, ça fait... Si on voit bien, ça fait un peu chanfreiné. Ça veut dire, là, ça fait, ça va du plus bas et ça monte un peu plus haut et ça me balance une pellicule au milieu de ma bande. Je fais pareil sur l'autre côté. Bien. Je descends. Alors, quand je descends, c'est sur l'axe. Comme ça. J'y fais bien... Je mets bien généreux. Hein. Voilà. Et là, je viens essuyer, mais je mets un petit appui un peu plus sur le côté. Là. Comme ça. Ah, je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, mais là, on voit bien le chanfrein. Et le chanfrein là, et ça me laisse, on va dire, un bout de caca. Non, ça me laisse quand même un gros paquet au milieu. Et là, maintenant, avec ma spatule, je reprends bien généreusement sur le milieu, je me mets au milieu et je viens déposer. Voilà. Comme ça. Je viens essuyer que ça fasse et je reviens balayer un coup mes côtés. Si je vois qu'il n'y en a pas assez, je reviens redéposer et je refais un coup de chanfrein. Voilà. Je reviens. Allez. Je laisse tout mon haut. On va finir pas. Alors on repart. Hein. Mais au milieu, un bon catal. Et je viens déposer. J'appuie un peu sur le côté de ma spatule pour faire le côté chanfreiné. Et en même temps, ça renvoie au milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je viens mettre le catal au milieu. Un gros catal. Et là, je viens réessuyer sur un bord. Réessuyer. Et là, je viens lisser les petits bouts de cailloux. Ah, c'est pas cette merde. Il y a un caillou, tu vois. Je sais pas où il sort. Et ça balance mon enduit vers le milieu en appuyant. Voilà, je fais un appui un petit peu sur le côté avec un doigt. Hein. C'est un petit appui, hein. C'est pas un gros appui hein, qu'il faut poser. Hein. Et je viens poser au milieu. Et là, je tire un peu mon enduit. Si tu tires pas ton enduit, ça fait des micro-trous.
J'en reviens mettre sur le côté. Soit pile poil dans le... Faut que ça soit pile poil fait dans le... Dans un truc. Sur ce, on a vu les trois phases du collage de la bande droite sur bord fendu, collage, remplissage et la finition. Je vous souhaite à tous un bon bricolage. Tchuss !